On a quand même eu 20 ans plus de 20 ans de lutte. J'ai l'impression que ça peut, c'est un peu au même endroit, quoi, la défense et la santé, alors ça tomberait bien. On ne sait pas, c'est la finalité. Comment ils ont été irradiés? On m'a répondu non, parce que de toute façon, FlexBlue sera monté à Cherbourg. Donc, oui. On n'est pas concerné. C'est extraordinaire. C'est ça, ouais. Oui, pardon, parce que c'est super intéressant, notamment sur les énergies renouvelables marines. Et que c'est justement comme ça qu'on arrivera à mettre en place la transition, en mettant de l'argent sur de la recherche, sur l'innovation. Mais certainement pas sur celle sur le nucléaire. Ils ont changé le truc en l'un décarboné. Parce que décarboné, le nucléaire. Et voilà, comme ça on peut le mettre dedans. Mais en tout cas, moi je peux te dire que la délibération du Conseil Général, c'est pas décarboné. Hein, ben là, c'est énergie marine renouvelable. D'accord. Et c'est pour ça qu'en pointant du doigt et en demandant quel est le pourcentage de recherche sur le renouvelable et puis quel sera le pourcentage de recherche sur le nucléaire, là, ils répondent pas. Alors que c'est à Bouguenais que s'installe Technocéan, c'est rude. À la fois pour le 9 février. Pour les 30 ans. Heureusement que tu étais là. Ouais.